Qu'est-ce qui t'arrive, Hafid? C'est quoi cette tête? Je suis dégoûté des femmes, Hassan. J'ai pas de chance. Qu'est-ce que tu racontes là? Comment ça, t'as pas de chance? Il t'est arrivé quoi encore? J'ai essayé la nouvelle fonctionnalité sur TikTok. Tu sais, je t'en avais parlé. Tu peux envoyer des messages à des femmes. Et je suis tombé amoureux de l'une d'elles. Non, bah vas-y, continue. Continue, s'il te plaît. Alors? Elle s'appelait Sabrina. Elle était vraiment belle. Le lundi, elle ressemblait à Georgina. Le mardi, à Kim Kardashian. Le mercredi, à Shakira. Et ça allait comme ça. Jusqu'au jour où elle ressemblait à Beyoncé. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Comment ça ressemble à Beyoncé? Et pourquoi c'était bizarre? Elle n'a pas pu bronzer comme ça en une nuit. C'est impossible. Du coup, je vais demander comment ça se fait que tu changes de visage comme ça? Hein? Dis-moi pas que c'est comme dans Game of Thrones. C'est une multiface. Eh non, mon frère, c'est pire que ça. C'était une multifiltre. La meuf, son miroir chez elle, c'était un iPad. Elle était accro au filtre. Ah ouais, mais elle doit être pété de thunes si tous ces miroirs, c'est des iPads. Bref, et tu l'as vu ou pas? Oui, une fois, et on a dormi ensemble. Ben voilà, Hafid, c'est ça qu'on aime. Alors, elle est comment naturellement? Ben, je t'avoue, ça, je sais pas. On a passé la nuit dans deux chambres différentes, et on s'est appelé en FaceTime. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. C'est un truc de ouf, la honte. Hey, mon frère, répète-le jamais à personne, ça. Et du coup, tu l'as jeté en l'air? Te moque pas, Hassan, c'est pas facile. J'ai dû mettre mes sentiments de côté. Le lendemain matin, j'ai pris l'ascenseur. Et il y avait une femme à l'intérieur. Elle était moche. Très moche. Je lui ai dit bonjour, madame. Elle m'a répondu bonjour. Et j'ai reconnu la voix de Sabrina. J'espère que tu l'as bien jeté en l'air. Et on a marre des mythos. T'excite pas, Hassan. Je lui ai dit, Sabrina, c'est toi? Et là, elle me répond, oui, Hafid, c'est moi. Je suis désolé. Désolé de t'avoir menti. Mais voilà, je suis comme ça au naturel. Mon frère, t'es trop gentil. Et après, t'as fait quoi? Dis-moi pas que tu l'as embrassé. Non, mais à ce moment-là, mes sentiments ont pris le devant. Et je voyais plus qu'elle était moche. Et là, elle a mis le coup fatal. Elle m'a dit, je m'appelle pas Sabrina. Je m'appelle Sabri. Monsieur l'addition, s'il vous plaît. Je suis déçu de toi, Hafid. Mais non, Hassan. Je suis encore sous le choc. Je suis déçu, mon frère. Faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux. Plus jamais je recommencerai. Maintenant, je ferai que dans le réel. Arrête de pleurer, mon frère. Rentre chez toi et prends-toi une bonne douche. Tu sais, comme dans les films après un viol. Et tu te sentiras mieux. Et oublie cette histoire. D'accord, Hassan. Tu me déposes chez moi, s'il te plaît? Non, ça jamais. Pour l'instant, prends nos distances. Faut que je regagne confiance en toi, mon frère.